Et oui, un auditeur, il y a quelques minutes, a gagné 300 euros. Tout ça parce que vous ne saviez pas que Pierre Bénichoux avait voyagé avec Françoise Sagan. Tout à fait. Alors, ouais. Quand, comment? Non, non, je ne veux pas répéter. En voiture. J'ai voyagé avec tellement de gonzesses. Ce qu'il faut que je dise aux nouveaux aux auditeurs, ou même qui sont présents dans cette salle, qui ne me connaissent pas bien, les femmes, c'est mon métier. Le reste, c'est une couverture. Comment vous croyez que j'ai des montres comme ça? Acheté 5 euros au marché de Fécamp samedi dernier. Une des plus belles montres du monde. Sur moi, on dirait une Rolex. Tu mets une Rolex à Sarkozy, on dirait une montre à 5 euros. Tu mets une montre à 5 euros sur moi, on dirait une Rolex. Mais il y avait eu un article dans la Vie du Rail sur votre voyage. Non, mais c'était en voiture, non? Elle roulait très vite, paraît-il. Ah ben oui, ça c'était en 57 quand elle a eu ce... Non, mais on va pas faire la vie de Sagan, hein. Parlons des vivants. Non, on va faire la vie de Bénichoux, nous, c'est bon. Non, mais bah, on est quand même impressionné, Pierre, que vous ayez effectivement connu Françoise Sagan. On n'est pas si nombreux. Oui. Mais elle est de ma génération, exactement. Et comment il était, Platon, dans la ville? Il était sympa ou pas? Ah, mais raconte, parce que moi j'ai pris le TGV avec Jean-Luc Lahaye, tout le monde s'en fout. Vous l'avez connu, vous, Françoise Sagan, Marcela Yacoub? Non. Non, non. Vous n'avez pas connu Colette, vous n'avez pas connu Françoise Sagan, mais quand même vous lisez. Oui, oui, non, mais bien sûr. Françoise Sagan, oui, je les connais de les lire, mais. En fait, vous êtes. Il faut le dire. Quand même pour nos auditeurs, Marcela est très très impressionnée par Pierre Bénichoux. Le fait d'être assise à côté de Pierre, ça... Ben, il n'y a pas de quoi, c'est... hein. C'est comme aller au Louvre, un peu. Non, mais je voulais connaître. je pensais que vous parliez de connaître, comme lui, de faire un voyage. Oui. Ah non, mais vous avez lu Françoise Sagan. Oui, bien sûr. Ah, vous me rassurez, Marcela. J'aurais pas... Le mauvais esprit de dire, comme notre ami Mabie, citez-moi un titre de Françoise Sagan. Mais bonjour. Mais bien sûr. Comment? Comment vous avez dit? Bonjour. Le ciel bonjour était éclaboussé d'étoiles. 300 euros. Non, mais vous trouvez que c'est un bel homme, Pierre Bénichoux, Marcela? Ah, il est magnifique. Non, sérieusement. Ah, voilà. Sérieusement. Ouais. Et je ne lui ai rien dit. Hein. Il est magnifique. Vous avez peut-être besoin de passer chez Afflelou. Hein. Ça, vous auriez pu répondre quand même, Marcela Yacoub. J'imagine que vous avez déjà rencontré François Hollande. Non, jamais. Elle s'est pas tapé tout le monde, quand même. Non, c'est le prochain bouquin. Non, sérieusement, vous aimeriez rencontrer le président de la République? Non, non, pas vraiment. Reste dans ma roue, je t'amène. Reste dans ma roue, je t'amène le voir. Reste dans ma roue, ça veut dire me quitte pas, je t'amène. Non, mais bien sûr, sinon il va être jaloux par ailleurs. C'est vrai. Incroyable, ça. Dites donc, bravo, mademoiselle. Ah, moi qui me plaisais, qui me plaignais toujours de trop de femmes en blue jean, enfin des Balkans, vous pouvez les étendre. Vous pouvez dire aux auditeurs de RTL à qui vous adressez, Pierre, quand même? À une jeune femme qui a une mini-jupe grise, un corsage blanc avec un soutien-gorge noir qu'on aperçoit à peine. Et une foule blonde. Des talons de 14 cm. Et qui a les jambes croisées. Et qui me mange des yeux depuis. Elle garde les jambes croisées, mais ça sent le Basic Instinct.